Les chevaux suivent les chemins. C'est plutôt cool. Bref, bonjour à toutes et à tous, c'est Vosco et nous allons aujourd'hui s'occuper de faire des sanctuaires. Alors voilà, on a Blue ici. Bonjour Blue, on va le flatter un petit peu parce qu'on l'aime bien et qu'on l'a un petit peu abandonné. Hein. On l'a utilisé à peu près 10 minutes, même pas. C'est quoi ça, c'est n'importe quoi. Et du coup, ben voilà, on l'a abandonné, c'est vraiment violent, on l'a abandonné pour Eponaf. Et du coup, aujourd'hui, nous allons l'utiliser, mais pas tout de suite, nous allons, pour commencer, se téléporter. Se téléporter au plateau de l'éveil. Ici, là. Parce que je veux aller au sanctuaire, le premier sanctuaire qu'on a vu. Alors voilà, c'est ça. Je sais plus trop ce que je disais, hein, donc c'est un petit peu n'importe quoi. En gros, on va aller au sanctuaire, premier sanctuaire, voilà. Donc, dernier épisode, j'ai oublié de mettre l'inclou. C'est un peu scandaleux. Bon, de toute manière, il nous a pas servi à grand chose. Donc, c'est pas tant grave que ça. Alors, voilà. What the fuck? J'arrive pas à m'orienter. Salut! Je m'appelle Momo. Non, c'est bon, là. On y va. Oui! Donc, voilà. J'ai oublié de mettre l'inclou dans l'épisode, mais il nous aurait pas servi à grand chose. Donc, c'est pas tellement très grave. Donc, voilà. Il y a un truc là-bas, c'est louche. On va pas explorer tout de suite le monde. On va explorer le monde, mais vraiment plus tard dans le jeu. Voilà. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vais pas le mettre parce qu'on va faire des sanctuaires. Mais après les sanctuaires, c'est sûr que je le mets là. Parce que voilà. Hop. Un des sangliers. Ouch. Hop, voilà. On va monter ici. On peut pas monter ce bord-là. Je pense que c'est ce côté-là. Non. Mais, Momo. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Un coffre! Nous allons ouvrir le coffre. Qu'y a-t-il dans le coffre? 5 flèches de feu. C'est bien. Hop. Ah, juste pour le kiff, on va faire ça et on va les lancer. On va le lancer dessus. C'était tellement intelligent. Sérieux, je capote. C'était intelligent, mon affaire. Pas vraiment. Je voulais le lancer sur les bonhommes, mais j'ai sauté à la place. Bravo. Bravo. Je suis très bonne. C'est pas vrai. Hop, voilà. Allez, deuxième essai. Ah, il y a un coffre. On va aller le chercher en même temps. Là, on sort sur là. Là, on le lance, maman. Lance-le. Oui, bravo. Bon, ok, ça n'a pas marché. Hein. Il pouvait pas rouler, bien sûr. Je suis conne. Bonjour. Voilà, grillé. Ouais, c'est plutôt cool. Bon, est-ce qu'on va se rendre là? Ça, c'est une question incroyable. Je ne crois pas qu'on puisse se rendre. Non, faudrait qu'on fasse un peu d'escalade, mais c'est pas grave. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Et ça glisse. Ouh, on a quand même réussi. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ambre brute. Bon, d'accord. Bon, allez, maintenant, on va essayer de se rendre au sanctuaire. Attendez, avant, on va sauver ce pauvre petit... petit sanglier parce que c'est pas cool là, il se fait courir après et tout. Attends, je sais pas viser. Salut. On va pas le dire que je suis nul, hein. Ok, je suis nul à l'arc, donc on va juste. Ok, on a ça, c'est bon. Hop, ça a pas marché. Boum, toi, je te tue en un coup parce que mon épée est trop badass et cheatée. Voilà, vous êtes mort. Rip in peace. Ah, c'est cool, notre truc qui brille. Regardez, on voit briller. C'est trop cool. Flèche en bois. Plein de flèches en bois. Là, du coup, on a sauvé notre magnifique sanglier. C'est plutôt cool. Alors, on va essayer de se rendre. Peut-être un jour, on va peut-être y arriver. On est même plus dans la zone. Oh, il y a des... je sais pas quoi. Des cerfs. C'est peut-être des cerfs, je sais pas. Hop. On va prendre un remède tempo parce qu'on en a beaucoup. Il y en a 3. On boit. On remet ça en ordre. Voilà. Allez, comme ça, c'est plutôt cool. On va peut-être switcher d'arme parce que là, ça a l'air qu'il n'est pas solide, là, notre lame de gardien, je sais pas quoi, là. Hop, par contre, il y a des runes. Oh mon dieu, what the fuck? Est-ce qu'on s'essaye? Ok, on va prendre quelque chose de badass, là. Ça, c'est badass. Finalement, on va le reprendre. On va essayer d'y aller. Assez discrètement. Et... ok.
Ok, c'est mort. Ok, il fait pas mal du tout en fait. Il fait pas mal du tout, what the fuck. Mais non, mais j'ai défoncé en 2 secondes, mais c'est quoi ce monstre? Croc de Moblin. Trop solide pour à travailler, ce croc acéré peut toutefois servir d'ingrédient s'il est cuit avec une grenouille, un essai ou un lézard pour en faire un mode. Cool. Corne de Moblin. Cette belle corne de Moblin ne peut servir d'ingrédient dans vos plats, mais elle est parfaite pour préparer des gommettes. D'accord. Bat beaucoup. Cool, on va prendre ça. Mais par contre, ce monstre, les Moblins, ils ont l'air trop badass, mais en vrai, tu les défonces. Bon, en même temps, mon truc est quand même assez énorme, puis en plus, voilà. Attends, on va essayer d'utiliser nos techniques, là, qu'on a appliquées au dernier épisode. Ça n'a pas marché. Aïe, je suis nul à chier. Attendez, aidez-moi. Hop, allez, allez. Boum, dans ton cul. C'est violent. Boum. Et voilà. Bam, bam. Vite, on prend ça. Boum, dans ton dos. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Hop, on prend les pieux parce qu'on s'en fout. Voilà. C'est très, très, très violent. Bon. Ah, regardez le lever du soleil. Wow. Oh non, j'ai fait... Non, j'ai fait pas un renard. Désolé, petit renard. C'était pas mon plan. Bon. Hop, on prend ça. Bon, là, finalement, on y est plus que d'autres choses. C'est un peu violent. Les runes, on va pas les explorer tout de suite. Parce que, ben voilà, quoi. On aura le temps plus tard, je suis à peu près sûr. Oh, merde, il y a plein de gens. Holy shit. Bam, dans ta gueule, toi. Merde, j'ai plus rien. C'est con. Bam. 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 Aïe, 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 aïe. Ok, vite, on bouffe quelque chose. Vite, on bouffe quelque chose. On va mourir, sinon... On va mourir, on va mourir, on va mourir. Ok, cette fois-ci, on mange des pommes ou quelque chose. Attendez, y a-t-il quelque chose de... Ouais, ça, c'est bon. Voilà, ok, on va switcher d'armes parce que les armes lourdes, j'ai vraiment du mal. On va essayer ça. Équiper. Bam! Tu meurs, toi. Toi aussi, tu meurs. Boum, boum, boum. Ok, attendez, wow, wow. Ok, attendez. J'essaie de faire mon truc. Ça marche pas. Pas grave. Oh putain, un balai! What the fuck? Qu'est-ce qu'il fait avec un balai, lui? Il est sérieux? Holy shit. Allez, allez, non. Je vais essayer de faire ma technique, parce que ça sert à rien d'apprendre des techniques si on les utilise pas, putain. Allez. Voilà! Comme ça qu'on fait, bitch! Voilà. Un balai. Mop! Une mop! What the fuck? C'est aussi ménager bien pratique pour nettoyer le sol. L'œuvre d'un artisan en témoigne. Sa solidité qui en fait même une arme de bonne facture. What the fuck? Une fucking mop pour se battre. Oh mon dieu, c'est drôle. Il y a rien de réellement drôle, mais moi je trouve ça drôle en fait. Voilà. Il y a une épée rouillée, le mec. D'accord. Une épée rouillée de la moitié. Une mop, mais regardez-moi ça. Une fucking mop. C'est drôle. Bon, il y a rien de réellement drôle, comme j'ai dit il y a 2 secondes, mais je trouve ça drôle. Donc voilà. On va utiliser notre mop parce que c'est... C'est n'importe quoi. Ah, c'est beau la vue comme ça. C'est magnifique comme ça. Faire une petite capture d'écran. Voilà. Hop. Allez, on se barre tout simplement. Ah. On va prendre ces minerais de la muerte. Hop, allez, tout. C'est cool, ça nous fera de l'argent. Oh, il y a encore des trucs. Attendez. Hop. Hop. Bam. Silex, cool. Bon, allez, on va... Finalement, peut-être commencer à pouvoir faire notre sanctuaire. Allez, ça fait 12 minutes que je fais de la merde. C'est pas grave, on va passer ça parce qu'on s'en fout. Et puis voilà, parce que c'est tout le temps à peu près la même cinématique. Et donc, du coup, on s'en bat un peu les steaks. Voilà, voilà. C'est ça. Glissez sur un bouclier. Sortez votre bouclier, appuyez sur... Sautez et appuyez sur A en avançant pour monter. Sérieux, là? On peut faire genre du snowboard avec un bouclier. Oh, faut qu'on essaie ça dans 2 secondes. En fait, non, après notre truc, notre sanctuaire. Passé. Non, pas passé. Ok, ça a l'air déjà moins ouvert. Tu vas pénétrer, mettre à l'épreuve. Oh non, ah, c'est pas l'enseignement, là, ça. Ça va être une épreuve. On va peut-être avoir un module. Guidé par le vent. Oui, mais c'est tellement cool. En fait, on va peut-être pas avoir un truc. C'est juste d'autres techniques. Mais peut-être qu'on aura un module. Ça a l'air plus d'une épreuve avec un, comme un...
comme quand on a nos modules. Salut, j'ai de la misère à parler. Guidé par le vent, moi je dis on saute. Oui, c'est comme ça que... Oh mon dieu, c'est full nice. Le jeu il est vraiment nice, sérieux là. En bref, cool. Mais sérieux, c'est trop cool. Genre, n'importe quoi que tu fais dans le jeu, c'est cool. Limite, c'est pas relou de marcher. Tu vois le truc? On explore et tout, on a les sanctuaires sont cool, les quêtes sont cool, les cinématiques sont badass. Bref, tout et n'importe quoi, sont cool en fait. Oui, c'est trop cool! OMG, look at this! C'est tellement nice. On va juste s'assurer que on ramasse tout, hein, parce que c'est ça en fait. Ça servirait à quoi ça? Ça servirait à la focal. C'est bizarre. On va essayer de ramasser tous les coffres. Ok, on peut aller là. Ah, pour le coffre, d'accord, ça va être ça. Bon, on va pouvoir remonter, d'accord. J'aime trop ce jeu, il est vraiment ouf. Putain de merde. Hop, allez. Wouhou. Ouh, putain, je vais tomber. Hop, ok, donc là, ça c'est la fin. On va aller ramasser ce coffre de la muerte. Ce coffre de la muerte, si j'arrive à parler. Non. Non, je vais mourir. Ma voix part en couille. D'accord. Je sais pas comment on est supposé d'aller d'abord. Oui. Ça marche pas. Comment on fait pour y aller? What the fuck? On essaie quand même. Qui ne tente rien à rien. Mais non, mais ça marche pas. Peut-être qu'il faut qu'on parte de là-bas. Puis qu'au lieu de s'arrêter, ben on tourne en fait. Je sais pas là. What the fuck? Attendez, on va... On va essayer, je veux absolument voir le coffre. Je suis sûr qu'il y a quelque chose de badass dedans, là. Quand même, il a l'air dur à atteindre. Ok. Là, au lieu d'arrêter là, on va tout de suite s'en aller vers là-bas. Bravo, Momo. Bravo, Momo. Bravo, Momo. Mais non, mais... J'ai même pas sauté comme du monde, mais je suis sérieuse. Moi, je fais de la merde. Bonjour. Ok, là, on tourne. Mais c'est n'importe quoi. Comment tu veux y aller? On va recommencer plusieurs fois. Ok, là, on y va. Hop! On prend un tournant et non, je suis à ça de l'avoir. Je vous retrouve quand je l'ai. Voilà. Allez, oui, putain, il fallait courir. J'ai commencé plein de fois, mais c'est pas grave. J'espère qu'il y a quelque chose de cool dedans, là, par contre. Espadron de soldats. Oui, oui, c'est bon. Je suis pas déçu. Grande lourde, difficile à manier, cette épée à deux mains rend remarquablement résistant, a été amélioré spécialement pour le combat. Bon, on a réussi, enfin, putain. Ouf, j'ai fait tomber comme une merde. Bonjour. Bon, avec là, on est bon, on va y arriver. Là, j'ai plus de pommes. Faudrait que j'en... En fait, j'en ai encore, mais plus beaucoup. Voilà, j'ai juste des glands. C'est n'importe quoi. Hop, on remet ça à notre place, comme ça, là. À leur place, comme ça. C'est plutôt bien. Bon, maintenant, on peut quitter ce sanctuaire de manière badass. Wouhou. C'est tellement cool. Bonjour, toi. Comment vas-tu? Pourquoi je parle comme ça? Je sais pas. Je sais pas c'est quoi mon problème. Mais c'est pas grave. Nous sommes contents. Moi, en tout cas, je suis contente. Voilà. Triomphant, blablabla. T'as prouvé que t'étais digne du titre de héros. Blablabla. En fait, ça aurait été mieux de faire les temples, les sanctuaires, au moment où on les rencontre. Parce que là, ben, tu vois... Au moment où on rencontrait ce temple-là, on venait d'avoir la paravoile, tu vois. Ce qu'on avait fait avec la paravoile, c'était genre descendre du plateau de l'éveil. Fait que c'est ça. Fait que là, ça nous aurait entraîné. Mais non, je me suis dit, non, faut qu'on s'en va au village Kokoriko. Parce que de toute manière, même si ça aurait pas trop dérangé si j'avais tout fait les trucs, parce que ça aurait juste pris un épisode de plus. Aller au village. Mais voilà, là, je suis arrivé plus vite au village. Mais voilà, de toute manière, je pars quand même du temps. Ça revient quasiment au même. C'est pas grave. Je sais pas si c'était clair, je pense pas. Je pense que c'était pas trop grave. Le pas cette force, regardez, ce plan, d'accord. Grand galop à plus, d'accord. Oui, c'est badass. Oh là 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 là. Bam, attends, on va essayer notre nouveau espadron, là. Oh. On l'a, c'est pas pour rien, là, quand même. Bam, RIP in peace. Bam, arc de voyageur. Compartiment des armées plein, lol. On va essayer de trouver des choses qu'on s'en fout complètement, là. La pioche, bon, on va prendre la pioche. Parce qu'elle va se péter rapidement. Puis la mop, on va l'équiper après aussi. Parce que c'est ça que j'avais dit tantôt qu'on allait l'équiper. Mais finalement, j'ai pris le marteau parce que...
Parce qu'il y avait des minerais, voilà. Le deuxième sanctuaire est là. On se téléporte. Voilà, tranquillou. C'est trop stylé la téléportation. Regardez-moi ça. C'est stylé. C'est stylé quand même. Ah, c'est pratique ça comme truc. Pour avancer lentement sur notre chemin, c'est plutôt cool. Voilà, du coup, c'est pour ça que. Je pense que c'est l'épisode dernier, je suis pas sûre. J'ai dit qu'on allait le désactiver. Comme ça, ben, on n'a rien qu'à téléporter et puis c'est plus rapide. Et voilà, on s'en va dans un autre sanctuaire. Je sais pas si ça va être une épreuve ou. Un enseignement. Moi, je suis motivée pour une épreuve. Voilà. J'avais dit qu'on allait faire quelque chose. Je m'en rappelle plus quoi. Avant qu'on rentre dans le premier sanctuaire. C'est une épreuve. Allez, on est motivé. Par contre, là, ça a l'air compliqué. Juste de même, ça a l'air vraiment compliqué, tu vois. Au bon moment. Sanctuaire de Ridaï. Au bon moment. Ok, d'accord. Ça. Ok. Et là. Ta-na-na-na. Ah, c'est cool! C'est cool, sérieux. Hus! On monte dessus. On n'avait pas besoin de sauter, en fait. C'est pas grave. En plus, on avait clairement le temps de s'en aller. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est vraiment cool, sérieux! Regardez-moi ce mécanisme de la muerte. Et voilà. Coucou! Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Non! Merde. Ah, au moins, il revient. T'as pas besoin de quitter le sanctuaire ou je sais pas quoi, un truc pas pratique, tu vois. Oui, voilà. Wouh! Ça marche bien. Oui, moi je suis motivée. On va se mettre là-dessus tout de suite. Oui, c'est plutôt cool. I like this. Mécanique de la muerte. Ah, c'est trop cool, sérieux. Ah, il y a un coffre. Oh, on a peut-être manqué des coffres. Ça me surprendrait, je les aurais vus, je pense. J'ai pas l'air d'en avoir. Hop, le faire. Le faire sauter. Oh, j'étais proche, là, je suis full deg. Ok, attention. Huss! Ah, je suis nul à chier, putain. Attends, d'avoir recommencé. Et là. Yup! Non, faut vraiment au pile au bon moment. C'est pas. Voilà, quoi. Oui! Yeah, c'est badass! Wouhou! Allez, moi je vais aller chercher le coffre. Je sais pas si on va y arriver par contre. On peut pas grimper, what the fuck? Je sais pas comment on fait. Pour le coup là. I don't know how we can do this. Comment on fait pour se rendre? Attendez. Ah, ok, ça on peut prendre. Parce que ça m'intéresse, là. Je sais pas c'est quoi. Ça sert à quoi? I don't know. Non! S'il y avait quelque chose de dense, on est... Ben, c'est mort, là. Je peux plus l'avoir. Ok. Non, d'accord. Il y a vraiment rien, je pense, dedans. Par contre, ça servait peut-être pour avoir le coffre, en fait. Oh, merde. Mais oui, c'est ça, genre, tu pouvais monter dessus et tout. Ah, mais là, je s'est fait tomber. Ah, mais je me retrouve comme une conne, là. Oh là là. Bon, on va quitter le sanctuaire, puis on va revenir. Voilà. Je vous retrouve après, là, parce que... C'est con, mon affaire. Je suis vraiment conne. Allez. Ok, hop. Je sais pas si ça va marcher. Si genre je me mets dessus. Je suis pas sûre que ça va marcher là, mais bon. Oh non, mais je suis conne! Regardez, tu fais ça, tu t'en vas là, tu attends le truc, tu y vas, et tu le mets sur la plaque! Comment ça marche? J'espère.
Comme ça, ben, il va monter en fait et ça va bien aller. Voilà! C'est comme ça qu'on fait, regarde, ça marche super bien maintenant. Mais non, mais voilà quoi. Je suis vraiment conne. Hop, ouvrez, voilà. Et nous avons bandana d'escalade. Mais c'est trop cool. Ce qui semble être un simple bandana est en réalité le fruit de technologies antiques. Un accessoire d'escalade aidant à garder l'équilibre et à grimper plus facilement. C'est clairement cool, sérieusement. C'est clairement cool. Équipé. En plus, ça fit quand même bien avec notre truc, là. Notre habit, voilà. On va tester ça. Tout de suite, on va escalader, je sais pas, là, le mur, là. Pourquoi je le pointe avec mon... Avec mes mains, avec ma main, en fait. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on monte plus vite. Mais ça, c'est sûrement parce qu'ils nous le disent. Fait que du coup, on va réellement tester. Voilà, c'est la vitesse normale. Ouais, on monte clairement plus vite. Oui! C'est plutôt cool. On va le garder avec nous. Au lieu de notre capuche. Voilà, parce que la capuche ne nous donne pas de bonus ou quoi que ce soit. Puis en plus, elle est pas plus, elle a pas plus de protection. Donc on s'en bat les couilles, entre guillemets. Hop, du coup là, on est content. On va essayer de trouver une technique pour que... qu'on puisse aller là-bas, là, dans le sanctuaire qui a des pics autour, là. Je vais vous le montrer dans 2 secondes. Attendez, là, je vais juste... pogner ça. Voilà. Donc là, on a... Oh mon dieu, on va tellement plus vite avec le truc, avec niveau 3, là. Wouhou! On va super vite, c'est trop cool. Regardez. On va quasiment aussi vite comme ça que comme quand on court normalement. Comme ça, quand on court... Wouhou! What the fuck? C'est n'importe quoi. Mais c'est cool, sérieux. En plus, on a 5 minutes de vitesse extrême, c'est trop cool. Hop, 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 hop. On va essayer de grimper. On grimpe encore plus vite, c'est n'importe quoi. Mais c'est cool, on va pas s'en plaindre. Ça se dit-tu, on va pas s'en plaindre? Je sais pas. Mais regardez, ici, là, regardez, voilà, on a des pics. Est-ce qu'on peut passer comme ça? Bon, si je lance ma paravoie, ça pourrait bien aller. La déclencher. Ouch. Ça marche pas comme ça, la vie. Voilà. Allez, Link, ne te noie pas. Voilà, j'ai arrivé. Hop, on grimpe tranquillou. On a beaucoup trop de vitesse, on est vraiment cheaté. C'est n'importe quoi, mais c'est cool. Bam! Qu'est-ce que t'as laissé? Oh! Du Ruby Brut, comme je sais plus qui nous parlait. C'est robot, je sais pas quoi, là. Quelque chose, là. On va peut-être la retrouver tantôt. Mais c'est trop cool. Qu'est-ce que t'as laissé? En Ruby Brut. C'est cool, on a du Ruby. C'est trop cool, regardez. Ta-na-na-na. Ce précieux minerai d'Hyrule d'une grande valeur marchande habiterait la puissance des flammes. Ah ben voilà ce que j'avais dit. Qu'il y en allait avoir un truc de feu là. Parce que je disais, ouais, là t'as pas assez l'électrique, là pas assez l'eau. On va sûrement avoir un truc de flamme, un truc de vent, un truc... Ouais, c'est sûr que c'est ça qui va se passer. Puis on va avoir plein d'éléments et tout là. On va avoir des pouvoirs élémentaires et tout, ça va être n'importe quoi. Mais ça va être super cool, putain. En fait, c'est peut-être pas... des pouvoirs, mais je pense que parce que quand même la puissance de... Je pense que ça va être un pouvoir. Bon, c'est plutôt cool. Allez, on va aller faire ce dernier sanctuaire. Bonjour! Comment allez-vous en cette journée ensoleillée? Moi, ça va. Le truc nul. What the fuck? L'épreuve. Okay, c'est encore une épreuve. Ça a l'air très louche. Ça a l'air très louche. Survivre la voie de l'eau. Suivre la voie de l'eau. What the fuck? What the fuck? Ok. Ok. Suivre la voie de l'eau. Suivre la voie de l'eau. Suivre la voie de l'eau. What the fuck? Je vais prendre ça. Parce que ça abriterait la... Non, ça sert à rien. What the fuck? Suivre la voie de l'eau. Mais putain, je suis conne! Mais non! Là, je suis en train de chigner comme une conne. Mais putain, regardez, c'est simple! C'est simple! Mais je suis tellement conne! Putain! What the fuck? Comment je vais pour être aussi conne? Oh là là, c'est n'importe quoi. Mais voilà, c'est simple de même, la vie! Mais Momo, t'es nul! Mais non! Par contre, ça fait peur. What the fuck?
C'est quoi ça? What the fuck is that? Ça va être plus tard peut-être, je sais pas là, mais je sais pas trop c'est quoi. Je suis vraiment conne en plus. C'est n'importe quoi. Comment tu fais pour être aussi conne? Comment tu fais pour être conne comme ça là? Je sais pas là. C'est très compliqué, je crois. C'est où qui tombe le truc? Il tombe où et comment? Il tombe comme en arrière, c'est bizarre. Allô? Je suis complètement conne! Par contre, là, comment les bouboules tombent? Je sais pas trop. Comment la boule elle tombe? Comme ça, comme ça. What? Comment on fait pour monter maintenant? Ok, d'accord. Ah, oh, mais je vais monter comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà. Et là. Ouais, bon, d'accord. Non! Oh, what the fuck? J'ai pas compris ce que j'ai fait. Bonjour. Ok. Là, on y va. Tac. Là, on va faire ça, là, on s'en fout. Tac. Voilà. Là, par contre, là, comment tu... Attends, comme ça. Comme ça, pour comme le bloquer. C'est comme ça qu'on fait, non? Attendez, là. Voilà, là il est bloqué. Ok, là il est bloqué. Bon, ok. Là, maintenant, on va... Je sais pas, là, on va se placer là, là. Ok, là, on va péter ça. Ok, puis maintenant... On va essayer de pousser ça, là. Je sais pas comment. Comment tu veux pousser ça, là? What the fuck? Attends. On va changer de module. Ok, non, d'accord, ça marche pas comme ça. Ah, voilà, comme ça. Non, maman va bientôt se péter! Non! Non, maman s'est pété! Rip! Rip en paix! Lala. Oh, shit! D'accord. Non, don't tomber, please. Ok, là, on prend Cyanis, je sais pas quoi. Cryonis. On pète ça. On prend Cinétis. On tape dessus. C'est compliqué là. Comment il est tombé là? Je sais pas trop. C'est n'importe quoi. Bonjour. What the fuck? J'ai pas compris. J'essaie de gosser avec la caméra. Bonjour. Allez, fais un effort là. Voilà. Voilà. Voilà, 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 voilà. Putain, enfin. J'ai enfin réussi, bordel de merde. C'était n'importe quoi. Déjà, au début, c'était ridicule. Puis là, ben là, je galérais. Là, c'est bien normal. Là. On est habitué de me voir galérer, je crois. J'espère. Si vous n'êtes pas habitué et que vous êtes scandalisé, je suis désolée. Alors, voilà. Bonjour! Voilà, c'est plutôt passionnant. On a un emblème du triomphe. C'est plutôt cool. Voilà, voilà. Voilà. Donc, c'est ça pour les sanctuaires. On a fini. On va y vendre des choses à lui. Bienvenue, blablabla. Blablabla. Bla, bla. Oh, mais j'aperçois dans ta sacoche un scarabée enduro.
Saviez-vous que ces insectes... Ma voix part en couille, c'est quoi ça? Ces insectes étaient extrêmement rares. Je vous en prie, je vous en supplie, je vous en conjure. Voudrez-vous m'accepter, me céder ces petites bêtes? Je... Non, non, monsieur le client. Je ne vous serai pas ingrat avec vous, monsieur le client. En échange, je vous offre un remède tempo. Ce sont mes spécialités. Je le peux pas en faisant... Ok. Bon. Il fait, entre guillemets, petit. Moi, je le veux beaucoup et tout. Fait qu'on va y donner. Même si c'est un truc... Voilà, c'est pas le truc qui se fait en 2 secondes, mais c'est pas très grave. Oui, merci beaucoup, c'est très rare. Non, non, non. Ça va, dans une personne en chance. Oui, bien, blablabla. Monsieur, non, vous n'hésitez quelque chose. Je veux vendre. Je voudrais vendre. Je voudrais vendre du minerai comme ceci. Je parle bizarrement. Bonjour. Hop. Oui. Allez, et. Non. Non. C'est bien dommage. Blablabla, venez pas. Hop. Juste une. Parce qu'on s'en garde tout le temps une au cas où que ça servirait peut-être à quelque chose. Voilà, voilà. Et sinon... Ça, je vais le vendre à l'autre fille qui nous avait, parlé plus tard. Hop. Plus tard, pas plus tard, plus tôt. Genre dans l'épisode... l'épisode précédent. Je sais pas du tout il est où. En tout cas, Blue, on va le flatter. Allez, c'est parti. Attendez, il y a une personne qui vient d'apparaître comme ça. Hein, tu n'es pas comme les autres, ça se voit à ta façon de t'habiller et de te tenir. Entre toi et moi, la clientèle habituelle du Glen Murphy est assez rustre. Un peu d'élégance, ça ne fait pas de mal. Ok. D'accord. Je pense qu'elle nous... Si j'ai bien compris, elle nous dit qu'on est élégant. Donc, c'est un compliment. Je te réconforte. Allez. On va essayer de trouver... je sais pas comment elle s'appelle, là. Ouais, c'est celle-là, je pense. Oui, c'est Roblico. Est-ce que tu as un marteau? C'est très pratique pour extraire le minerai. Ça marche aussi à l'explosion, mais c'est beaucoup... C'est le plus dangereux. N'essaye pas près de moi. J'ai horreur des explosions. Mais je vais te montrer... Je vais te montrer quelque chose d'incroyable que j'ai eu. Non, mais... Blue, pourquoi t'avances? Non, mais d'accord. Ok, elle a... je l'ai montré, mais elle s'en bat les couilles. D'accord. On va vendre du coup au monsieur. Là, c'est pas très grave. Hop. Ah, il y a un monsieur ici. Bonjour. Non, Blue. Blue, je voulais pas faire ça. Je voulais qu'on parle au petit monsieur. Il est où, monsieur? Il a disparu. Ok. Bon, c'est pas très... Ah non, il est là. Il apparaît et disparaît. C'est un petit peu louche. Hop. Tu savais... Que d'autres animaux que les chevaux peuvent servir de monture. Bon, moi, je suis de vieille école, alors je préfère un bon vieux cheval. Mais comme tu as là un petit limeux, je me suis prêt à donner des idées. On pourrait prendre une autre monture. Il y a un mec ou une meuf. Il y a une personne. Coucou, comment vas-tu? Je suis fatiguée. Mais non, mais je voulais te parler, mec. Excuse-moi, mec. Même problème. Ah, c'est le mec de tantôt, d'accord. Du début de l'épisode ou de l'épisode dernier, je sais pas. Ok, non, d'accord. Je vais lui vendre mon rubis. Extrêmement de valeur, ça a l'air. Selon Roblico. Oh, 200 rubis. 210 rubis, d'accord. C'est très, très violent. Ben, c'est violent. Non, là, mais c'est plus comme vraiment... Boum! 200 rubis dans ta gueule. C'est plutôt cool. Et nous arrivons au village de Cocorico. Merde. J'ai fait part au truc que je voulais pas. C'est pas grave. Hop. Voilà. On se dirige. Aïe. Je pensais que c'était une personne qui marchait avec une cape. Bravo, Momo. T'es nul. Allez, on se barre. Oh, attends. On va essayer de glisser sur notre truc, sur cette pente. Sur notre bouclier. Peut-être pas celui-là, là. On va prendre un autre, là. Genre lui, parce que c'est le moins bon. Ok, attention. On le lève. On avance. On sort. Merde, j'ai pas visé à bonne place. Oui! Ah, oh, c'est trop cool! Wouhou! Ah, c'est vraiment cool, sérieux.
Ah, c'est nice! C'est full nice! C'est trop cool, sérieusement. Mais c'est un truc de fou. C'est vraiment cool. Oui, des emmènes brillants, blablabla. On va prendre des cœurs. Parce que là, dernière fois, on a pris de l'endurance. Voilà. Ouh, ah, ils sont stylés! Ils sont stylés, ils sont stylés! Regardez-moi ça! Le style est présent! Le style est présent! Yeah! C'est ceux qui ont triomphé, blablabla. Et voilà, nous avons 4 cœurs maintenant, c'est vraiment cool! Va, ramène la paix à Hyrule. Cool. Bon, pour le kiff, on se fait une glissade, puis après on se quitte, parce que là, ça fait vraiment longtemps que je filme, ça fait un heure et deux. Oh mon dieu. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous quitte avec une magnifique glissade, et du coup voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye!